Allez, bonjour les gars, voilà, c'est toujours moi, Zama Hospital, et je suis là pour le remplissage ou bien pour avoir l'admission, pour chercher l'admission en ce qui concerne la bourse de Pretoria. Donc, voilà, on a déjà fait une vidéo qui nous montrait comment est-ce qu'on devait faire l'enregistrement d'abord sur le site avant de commencer à postuler pour l'admission. Donc, vous pouvez voir aussi en commentaire, vous allez voir cette vidéo-là, comment est-ce qu'on doit s'enregistrer d'abord avant d'arriver à cette étape. Aujourd'hui, nous allons simplement essayer de chercher l'admission. Voilà, donc on avait déjà fait l'enregistrement, on avait eu déjà l'application ID et puis le password. On avait créé notre password. Donc, on va aller rapidement et puis chercher à postuler pour pouvoir avoir l'admission. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, je vais prendre toujours le ID qu'ils avaient envoyé. Qu'il m'avait envoyé dans ma boîte email. Voilà, je vais aller chercher ce ID là, et puis aussi le mot de passe. J'avais déjà changé le mot de passe, donc là ce n'est pas un problème. Donc je vais aller dans ma boîte email pour aller chercher le ID application. Une fois que je l'ai, je mets mon mot de passe et je valide pour pouvoir continuer mon application, pour pouvoir postuler et avoir l'admission. Donc ici, ici, voici le ID application. Voilà, que je copie. Je vais copier ça. Je vais copier. N'oubliez pas, vous pouvez voir en commentaire, vous allez voir le lien de la première vidéo. La première vidéo, c'est-à-dire la vidéo où nous avons postulé pour avoir pour pouvoir s'enregistrer sur le site. Voilà, donc ici, c'est quoi? Donc ici, c'est le ID que je mets là. Voilà. Et là, je mets mon password. Ok, donc une fois que j'ai fini, je valide. Donc avec un login. Voilà. On était là. On était juste là. Voilà. Donc je vais cliquer sur Edit. Voilà. Donc c'est Edit. Et essayer de faire quoi? De pouvoir remplir les éléments qui sont là. Donc ici, j'avais déjà choisi que je partais pour la licence. Donc c'est ce qui est là. Donc ici, je vais commencer par quoi? Par Personal Information. Maintenant, si vous pensez que vous avez des problèmes à remplir les personal application information, vous pouvez aller sur contact ou bien déclaration, où vous pensez que vous pouvez gérer rapidement. Vous remplissez et puis voilà, c'est tout. Donc nous, on va commencer par quoi? Par personal information. The online application consiste, bon, ok, tout, ça c'est pas un souci. Donc on va aller là-bas pour aller chercher. Donc une fois que vous avez cette page, voilà. Vous voyez ici qu'il y a par exemple Personal Application. Vous devez remplir tout ce qui est là. Voilà, les 14. Donc, si par exemple vous avez des informations ici dans Personal Information ou bien dans Secondary Education et que vous n'avez pas d'informations dans Demographic Details, vous pouvez par exemple comme ça changer. Voilà, ici par exemple Secondary Education, comme ça. Et vous allez venir. Vous voyez, remplir les éléments du secondary education et après repartir sur les autres. Vous comprenez, vous voyez ici. Voilà, donc c'est comme si on est là et après on peut venir là. Vous remplissez ce que vous avez et si vous n'avez pas, vous allez cliquer sur save et après revenir pour vous remplir les autres. Voilà, donc pour l'instant, nous on va commencer par ici, personal information. Donc nous on va commencer par personal information, ce qui est là. Voilà, donc ici, il y a quoi? On a le titre, c'est quoi? C'est monsieur. Monsieur, voici mon nom, prénom ici. Ici, c'est pas vraiment trop important, mais si vous voulez, vous remplissez. Voilà. Et la date de naissance, j'avais mis comme ça. J'avais changé la date de naissance, mais s'il y a erreur, c'est pas un problème. Voilà. Ici, la date de naissance, c'était pas ce qu'il y a là. J'avais déjà changé auparavant. Ok, donc je continue ici. Vous êtes
Voilà, non sud-africain. Voilà, donc ça c'est bon. Voici le passeport. Voici votre pays d'origine, c'est quoi? Côte d'Ivoire. On va mettre Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok. Et vous allez étudier en temps plein. Voilà. Et ici, votre école, vous pouvez cliquer ici. Si vous cliquez ici pour votre école, vous allez mettre votre école ici. Et si votre école ne s'affiche pas ici, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez My institution cannot be found ici. Vous cliquez sur ce qui est là et ça vous renvoie directement ici pour pouvoir mettre le nom de votre école ici. Voilà. Donc, moi, je vais mettre comme ça lycée et je vais essayer d'avancer. Vous comprenez? Voilà. Donc, une fois que je mets lycée, c'est fini. Il peut mettre next. Il peut mettre comme ça next. Vous comprenez? Voilà. Donc, next sort ici. Par exemple, je suis ici country. Adresse postale, country, vous mettez le nom de votre pays, adresse postale, Côte d'Ivoire, ici, ok, adresse 1, adresse 2, adresse 1, vous mettez votre adresse, voilà, vous mettez votre adresse, ok, vous mettez votre adresse que vous avez, voilà, moi je ne vais pas me fatiguer à mettre tout ça. Donc vous mettez votre adresse et tout, tout, tout. Maintenant, ici, City, je vais mettre quoi, Abidjan. Après cela, code postal, vous pouvez mettre votre code postal, n'oubliez pas. Ok, et province, c'est pas un souci. Voilà. Et votre numéro. Ok, donc une fois que vous arrivez là, vous mettez votre numéro là et votre numéro second ici. Voilà. Donc une fois que vous finissez là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur next. Voilà. Et next démocratique démographique dictate. Voilà. Donc le genre c'est quoi? Mâle. Et home language, vous allez mettre français ici. Si c'est l'anglais que vous parlez, vous mettez anglais. Voilà, vous allez mettre français. Si il n'y a pas de français ici, Africanish, double medium, English, Zulu, other language. Il n'y a pas de français, donc vous mettez other language ici. Ok, donc tell us more. I am currently still in high school. Donc je suis actuellement dans une école. Et ici, I am an post school technical college student. Donc, je suis dans une école technique. Ici, je suis à l'université technique. Ici, j'étais où je suis à l'université. Ici, je suis dans une école. Je reprends le cours. Ici, je suis un employé. Je suis au chômage. Ici, je suis un employé. Donc, vous devez choisir. Ici, vous allez mettre I am currently still in high school. Voilà. Ou bien, je vais mettre comme ça ici. Bon, je vais prendre ça. High school. Et ici, if you have any queries related to study at HAP as a disabled student, please check the website and disabled student. Do you have disabled? No. Donc ici, vous prenez no, voilà. Et puis, vous avancez. Voilà. Donc, ici, on dit quoi? Ça, on l'a déjà fait. Emergency call. Donc une personne qui va, on n'a pas quoi faire, on l'a fait le premier, c'est identique. Donc ça c'est une personne qu'on pourra appeler en cas d'urgence. C'est qui? Vous pouvez prendre votre père. Ici monsieur, vous mettez le nom de votre père ici, son prénom là. Et puis ici vous dites c'est qui, il représente qui pour vous, il représente mon père. Voilà. Donc si c'est votre frère, votre fils, votre fiancé, votre, voilà. Donc vous avez tout ici, vous choisissez si c'est votre père, vous mettez votre père. Son pays d'origine, c'est quoi? C'est Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, ici. Voilà. Et vous mettez son adresse, son adresse, son adresse et son adresse. Voilà, vous mettez l'adresse que vous voulez, c'est une seule fois, vous mettez une seule fois. Voilà. Sa ville aussi, c'est quoi? Abidjan. Ok. Après ça, code postal, vous mettez, et ici aussi, province. Numéro de téléphone, vous mettez, et son email aussi, vous mettez son email. Ok, on va avancer.
Après cela, on est sur Tesol Education. Where you prevent enrolling at the university, a University of Technology or post-school technical college, vous mettez non, voilà. Only applications who have studied and up or who have ever been enrolling at any other university or other education institution, choose non. Donc, non, vous mettez non ici et vous avancez. Donc, secondary education. Final school here. Donc, c'est ici. En quelle année est-ce que vous avez fini votre éducation secondaire? Donc, vous allez mettre comme ça. Si par exemple, ici on dit secondary education. Donc, en quelle année vous avez fini? Si c'est la licence ou bien si c'est le bac que vous avez fait, si vous avez fini par exemple le bac en 2020, voilà, vous mettez en 2020. Et ici, Examination Authority, Foreign Country, voilà. Et ici, School Name, vous pouvez cliquer là pour choisir, pour chercher le nom de votre école. Voilà, ici, School Name, vous cliquez là. Ici, si vous pensez que vous n'allez pas trouver, si vous cliquez, vous mettez le nom de votre école et que le nom de votre école n'apparaît pas, vous cliquez ici. Voilà, vous cliquez sur ce qui est là. Ils vont vous demander de mettre le nom de votre école. Voilà, ici, le nom de votre école, vous mettez là. Donc, je mets lycée. Vous mettez le nom de votre école. Et puis, je mets la ville où le lycée est. C'est quoi? Abidjan. La suite. Ok. Ici, school grade type. Donc, vous payez ça. Et puis, current school status. Currently busy with schooling completed. Donc, si vous avez fini de, si vous avez fini, par exemple comme ça, si vous avez eu déjà le diplôme, vous mettez schooling completed, voilà. Ou bien, si vous êtes actuellement au cours, voilà, vous allez mettre currently busy with schooling, voilà. Donc, c'est un peu ça. Exception type, complete exception. Conditional exception, foreign conditional exception, immigration, not. Not finished, repeated grade, waiting for final. Donc ici par exemple, pour ceux qui sont encore en terminale, ils vont prendre ce qui est là. Ils vont prendre ce qui est là. Pour ceux qui ont repris la classe, qui sont actuellement là-bas, ils vont prendre ce qui est là. Donc pour ceux qui ont déjà le diplôme, voilà, ils peuvent prendre complete foreign exams ici. Voilà. Donc une fois que vous finissez là, vous venez sur next. Donc, si vous avez des questions, vous allez les poser en commentaire. Je vais essayer de vous répondre. Donc, ici, par exemple, vous allez chercher à choisir la faculté que vous voulez faire. Voilà. Donc, ici, enter the keyword of your study program and click Search and choose your program from the list by clicking the select. Donc, ici, vous mettez là ce que vous voulez faire. Si moi, je veux par exemple mathématiques. Je mets mathématiques. Ok. Je mets et je fais recherche. Voici tous les éléments en mathématiques. Voilà, je vais prendre ce que je veux. Donc, je peux prendre par exemple ici. Je prends il y a actuariat ici. Je prends ça. Ok. Je prends ce qui est là. Ici, on dit if no selection button exists next to the program, the closing. Voilà. Donc, ici par exemple, vérifiez bien ici ce qu'ils disent là. Si par exemple, vous cliquez sur mathématiques et que mathématiques, il n'y a pas de bouton qui permet de choisir, ça veut dire que la date est passée. Donc, nous allons vérifier la date. Voici la date qui est là. Vous voyez, c'est le 31 8 mois 2020. Donc, c'est passé. Donc, ça, vous ne pouvez pas choisir. Donc, vous allez devoir changer. Je vais prendre comme ça, physique. N'oubliez pas, vous écrivez en anglais, comme ça vous allez pouvoir trouver. Ok, physique aussi, je ne peux pas parce que la date, c'est en 2020. Ok. Donc, ici, click console to return to the previous without making a selection.
For further details of the offering by university, please click. Donc, cliquez ici pour pouvoir voir un peu les universités, les filières qui sont disponibles. Donc là, donc on va aller voir un peu rapidement. On va aller voir un peu les facultés qui sont disponibles. Comme ça, on va pas perdre le temps à chercher à chaque instant. Ok. Donc, voici les facultés qui sont disponibles pour le baccalauréat. Voilà. Donc, voici un peu les facultés qui sont disponibles. Donc, c'est à vous de voir. Ici, on a quoi? On a. Ici, on a économie. Donc je vais prendre un élément comme ça, je vais aller un peu rapidement. Par exemple, on a ça. On a ça, Bicom. Il y a Bicom par exemple. Je vais voir. Vous vérifiez là et vous vérifiez aussi si vous voulez vraiment la filière ou pas et tout ça. Donc là, on a Bicom. Voilà. Donc c'est possible jusqu'en 2022, c'est possible. Donc on va choisir cela. Ça, c'est parce que je suis en train de postuler. Voilà. Mais pour vous, vous choisissez, vous cherchez vraiment la faculté qui vous sied, qui vous plaît. Voilà. Pour pouvoir l'utiliser. Donc, on revient, on repart ici et je mets ici Bicom. Je mets là Bicom. Je mets ici Bicom et vérifions voir. Ok. Donc, ici, je prends Bicom ici. Je choisis par exemple undergraduate là. Si je choisis là, dans les normes, on doit pouvoir. Ça va apparaître ici. Et vous faites le deuxième choix aussi, ça va apparaître là. Voilà. Mais avant de pouvoir faire, essayez de bien voir les facultés que vous allez prendre pour pouvoir choisir. Donc, une fois que c'est fini, on vient dans quoi? Dans General Detail. On vient là, donc on va cliquer sur Next. Voilà. Ici, on nous dit quoi? On nous dit important admission to the University of Pretoria does not guaranteed available of a place in a residence has demand for far outweighs supply. Please click here for residence name change. Donc ici, par exemple, comme ça, on dit par exemple que même si vous avez l'application, même si vous avez l'admission, c'est pas garantie à 100% que vous avez le doctorat là-bas à l'université. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous souhaitez, par exemple, avoir un doctorat, do you wish to be considered to a resident place? Si vous voulez vraiment avoir un doctorat, voilà, vous pouvez cliquer ici, vous mettez oui, voilà, que vous voulez avoir un doctorat. Et, please select your study choice before choosing a preferred residence. Ok. Donc, ici, bon, c'est pas que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas fait celui-là, mais j'ai juste donné des indications sans moi-même postuler. Donc, vous devez d'abord postuler avant d'arriver sur ce stade. Voilà, donc vous mettez yes et puis are you going to apply for NSA HEADS application? Do you wish going to apply the Apple funding? Yes. Ça, ce sont les bourses. Voilà, donc vous cliquez sur yes et yes. Voilà, vous allez postuler après. Ça, ce sont les bourses. Donc, vous allez postuler la bourse de Financial Aid. Donc, une fois que c'est fini, là, vous cliquez sur ce qui est là. Next pour documentation. Et ici, vous allez pouvoir mettre vos dossiers, c'est-à-dire mettre vos diplômes. Donc, ici, par exemple, comme ça, si vous avez pour les étudiants, ici, c'est pas la peine. Ici, c'est pour les étudiants qui sont déjà qui sont là-bas, c'est-à-dire les étudiants. Comment dire, les étudiants qui fréquentent déjà l'université, c'est-à-dire les étudiants de l'université de Pretoria, eux ils mettent leurs documents là. Mais vous mettez votre passeport ici, vous cliquez sur Add, ça vient directement dans votre ici, et vous cliquez sur Upload, ça va directement dans votre ordinateur, voilà, sur la plateforme de votre ordinateur, et de là-bas, vous allez sélectionner votre fichier, voilà. Donc, ça va venir quelque part ici. Voilà. Et vous allez sélectionner votre fichier. Voilà. Donc, moi, je peux prendre passeport, ce qui est là.
Voilà, ça c'est mon passeport. Et vous cliquez sur Upload. Vous comprenez? Ça vient directement ici. Dans les normes, ça doit s'afficher là. Voilà, ça vient là. Et ensuite, ici aussi, vous mettez votre diplôme ici. Vous voyez, passeport est venu là. C'est déjà téléchargé. Ici, vous mettez votre diplôme là. Voilà. Vous mettez votre diplôme de peut-être votre relevé de licence ici. Et puis, vous mettez votre diplôme de baccalauréat ici. Voilà. Et si vous avez aussi, vous avez encore des certificats, vous mettez ici et là. Voilà. Et ici, if you have studied completely or are busy completing a test, your qualification, upload your academic record here. If you are degree from the University of Pretoria, no upload here. Ici, si par exemple vous êtes encore au cours, par exemple vous êtes encore à l'école et tout ça, vous n'avez pas encore eu le diplôme et tout ça, vous pouvez mettre vos relevés que vous avez eu déjà ici. Voilà, vous mettez ça là dans les deux instants. Et puis ici aussi, vous mettez la traduction du document aussi là. N'oubliez pas, tout ce que vous allez mettre ici doit être traduit en anglais. N'oubliez pas, c'est très important. Donc ici, une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans déclaration. Voilà, déclaration, nien, 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 I confirm. Voilà. Et puis vous mettez, vous faites suivant aussi, vérifier, verify application. Quand vous allez cliquer sur verify application, vous allez voir que il y a tout ce que vous avez fait. Voilà. Ici, vous avez rempli, rempli, rempli. S'il y a un élément qui n'est pas bien, ils vont vous dire, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Et une fois que vous finissez, vous allez cliquer sur Next pour faire le paiement de l'application. Please verify your application before making payment. Payment can only be once your study chosen choice have been has valid. Voilà, donc ça c'est pour l'admission. Voilà, vous faites le paiement de l'admission. Et une fois que vous finissez de faire le paiement de l'admission, vous venez dans Apply ici. Et to complete your application, you must verify the application payment is recurring. Please. Donc, une fois que vous allez cliquer sur Apply, il y aura un élément. Une fois que vous allez payer, il y aura un élément ici, Apply, que vous allez cliquer dessus pour pouvoir Apply et c'est tout. Voilà. Vous allez maintenant, ça c'est pour postuler pour l'admission. Et une fois que vous avez l'admission maintenant, vous allez prendre cette admission-là et suivez la première vidéo. Vous allez voir, vous allez prendre cette admission-là. Vous allez compléter avec plusieurs éléments que j'ai déjà énumérés dans la première vidéo. Et vous allez mettre ensemble pour pouvoir envoyer un mail que j'ai mis aussi là-bas, c'est-à-dire dans la première vidéo. Je vais mettre la première vidéo en description ou bien en commentaire. Vous allez voir. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre aussi la vidéo pour pouvoir voir comment est-ce que vous allez faire. Voilà. Donc, regardez très bien ici. Où j'ai bien rempli, ils vont mettre valider. Où je n'ai pas bien rempli, voici ce qui est là. Donc, tout ce qui est là doit être validé, 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 validé avant de pouvoir faire apply. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, les gars, n'oubliez pas. Voilà. Donnez-moi une pouce bleu. Voilà. C'est toujours moi, Samuel Spita. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre pour vous. Donc, on y va à plus, les gars.